Bonjour. Mm -hmm. Tout le monde. Simon Lavergne pour En Zone Neutre, le podcast. On est l'épisode 7, le premier épisode en 2023, saison 2, épisode 7. Et aujourd'hui, je reçois mon chum Jasmin Gibaud. Vous ne connaissez peut-être pas Jasmin, mais c'est le skip de l'équipe Québec des clubs médaillé d'argent en Alberta, plutôt en 2022. On va jaser tout ça avec lui, puis il va être bien mieux placé que moi pour vous en parler. Le temps d'un petit message de Saint-Louis-Rénove. Hein? Si vous avez vos besoins construction, Saint-Louis-Rénove, 811. 9923 1605. On regarde ça tout de suite puis on revient. Vous avez des idées de grandeur pour votre demeure C'est Saint-Louis Rénove qu'il vous faut. Situé dans la belle région de la Petite-Nation en Outaouais, c'est l'expert pour vos salles de bain. Saint-Louis Rénove est à l'écoute de vos besoins, de vos projets, mais surtout de votre budget. Des services professionnels pour réaliser vos rêves de rénovation. Patrick Saint-Louis, 819-923-1605. Par courriel au st-louis.rénove à hotmail.com. Suivez-nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations. Pour vos petits ou grands projets, Saint-Louis-Rénove, c'est gage de succès. De retour. Salut, Jasmin Gibault. Comment ça va? Ça va très bien. Toi, Simon? Ça va super bien, mon chum. Là, on va commencer tout de suite en disant qu'on se connaît, nous autres. Là, fait que ah oui, ça ah va oui. être très friendly comme podcast aujourd'hui. Quelques euh, petits faites de derrière la cravate ensemble. Oui, et quelques rums et bouteilles de vin. Ça, on... <rire> <rire> comment ça va? Passer du bon temps pendant ton temps fêtes avec la famille? Ah oui, ça, ça fait toujours du bien de, de, se, de, de se rassembler un peu, puis la petite famille grandit. Fait que euh, c'est toujours le fun de se revoir tout le monde ensemble. Vous ben autres aussi cool. Ouais, ben oui, ben oui, comme d'habitude, c'est le fun. On prend un break, le podcast prend une pause, moi je prends une pause. Fait que je me repose un peu. Quoique pas tant que ça, finalement, Mais <laughs> c'était une autre histoire. Euh, Jazz, pourquoi que je te ça sur le podcast? Je veux que le monde te connaisse. Je pense que euh, ceux qui suivent le podcast, qui viennent de la Petite Nation, de l'Outaouais en général, savent à peu près tes qui parce que euh, vous étiez très médiatisé le temps d'un fameux tournoi de curling puis qu'on va en reparler. Euh, mais c'est ça, tu as été sélectionné, ou plutôt tu t'es qualifié comme avec ton équipe pour un gros tournoi d'envergure qui avait lieu en Alberta. C'était-tu au mois de novembre? en décembre, c'était-tu... Euh... Au mois de novembre, c'était à euh, la fin novembre. Oui, la fin novembre qui, euh, qui avait lieu dans le West Edmonton Mall à Edmonton. Oui. Qui est, qui est le, le gros centre d'achat, qui est l'équivalent des, des Galeries de la Capitale au, à Québec, mais fois 1000 à peu près. C'est gigantesque. Il y a des ça. glaces, des manèges, ouais, par là. Euh, comment, comment ça marche, là? Puis, puis là, on va le dire, vous avez, vous avez euh, euh, obtenu la médaille d'argent dans ce mmh. tournoi-là. Euh, comment ça fonctionne? Parce que ça, c'est le championnat des clubs. Donc, ça veut dire que c'est pas les équipes nationales ou les équipes provinciales, mais ça veut dire qu'il a fallu que tu te qualifies pour aller représenter le Québec d'une manière, là. Oui, mais dans le fond, Curling Canada a, a, a catégorisé deux catégories euh, d'événements canadiens pour les hommes et les femmes, peu importe. Donc, euh, il y a la série Edit, puis il y a la série Club. Donc, la série élite, c'est où est ce qu'on voit le, ceux qui, maintenant, qui pratiquent le sport à temps plein. C'est-à-dire, c'est les Brad Gauchou de ce monde, c'est les Mike McEwen, c'est les Kevin Cowie, C'est des grands joueurs qui font que ça de leur vie. C'est-à-dire, ils sont, sont payés pour jouer au curling à temps plein. Donc, euh, ils s'entraînent et jouent, jouent au curling. Nous, dans notre, dans notre catégorie, catégorie des clubs, c'était le, le Briar d'il y, y a 20 ans, où ce que les gens... Euh, voulaient gagner leur province pour aller au championnat canadien, puis avoir la fleur de liste dans le dos pour pouvoir défendre de sa province. Donc, nous, comment ça a fonctionné, Simon, c'est <coughs> on avait un, un championnat régional, donc de l'Outaouais. Donc, chacun des clubs avait son, son équipe de curling. Donc, nous, on représentait le club de curling de Buckingham l'année passée. Donc, on est allé à Maniwaki. Donc, il fallait gagner contre, contre Maniwaki, contre Urso, contre Buckingham, etc. Donc, il y avait quelques euh, équipes. Donc, on est sorti de Maniwaki, donc on est sorti de l'Outaouais. Donc euh, on était au championnat provincial. Au championnat provincial, évidemment, il y avait l'ensemble des, des régions. Puis différentes régions ont plus qu'une équipe, dépendamment euh, du nombre d'équipes totales qui se sont enregistrées. Peu importe. Donc il y avait le, le championnat provincial qu'on a gagné en avril passé, du 1er au 4 avril 2022. Fait qu il faut Comme que ça, tu représentes un euh, club d'une manière ou d'une autre. Là. Tu ne peux pas arriver là, quatre gars, puis dire nous autres, euh, on n'a jamais joué, puis on veut se qualifier. Là. Non, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que le championnat Canadien des clubs, euh, force d'avoir quatre gars ou quatre femmes qui viennent du même club et qui jouent ensemble dans une ligue de façon régulière. Okay. Tandis que les joueurs professionnels, ils peuvent avoir un gars qui vient de Québec, puis un gars qui vient euh, du Saguenay, puis l'autre qui vient de, de l'Alberta. Okay. Donc euh, c'est ça qui différencie pas mal notre sport. Puis euh, un coup qu'on a gagné ben, du premier 4 horril passé, le championnat provincial, ben, ça nous apporte à représenter le Québec au championnat canadien donc, qui a eu lieu donc, à Edmonton, où jusque-là, il y a les, les 14 provinces et territoires qui sont présentes. 14, OK, ouais, cool. Puis, ouais. puis, mais, mais comme pour arriver euh, pour arriver là, là, attends une minute, parce que là, on va, on va jaser curling. Là. Ceux ouais. qui disent que le curling, c'est plate, parce qu'ils n'ont jamais ah. regardé une game euh, au complet, puis que, tu sais, c'est ouais. stratégique. Là. Je veux ouais, dire, ouais. Pas, euh, tu ne pars pas au club de curling, puis tu t'en vas jouer comme si de rien n'était. Il faut que tu ailles une certaine connaissance de, de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses puis tout ça. Vous êtes quatre, donc il y a le premier, le deuxième, ensuite le troisième, puis le skip, c'est toi, c'est toi, c'est comme le capitaine c'est le dernier qui lance les pierres. Euh, tu es comme le capitaine d'équipe puis tu montes ton club en, avec des forces et des faiblesses j'imagine de tes coéquipiers. Exact. si je peux faire un petit parallèle, le curling, le golf, c'est deux sports qui se ressemblent beaucoup. Euh, le curling, le golf c'est un sport stratégique. Hein. On peut arriver puis choisir d'attaquer le vert en deux sur un par 5 pour essayer de forcer pour avoir un birdie ou on peut jouer safe en avant puis après ça en trois en trois dessus pour faire la peur. Donc le, le, le curling, c'est un peu pareil. Donc, le curling, on va jouer une stratégie soit pour euh, générer des points ou soit pour être plus défensif puis être conservateur. Donc euh, ça ressemble beaucoup au golf. Puis pour faire la comparaison avec le hockey maintenant, ben le curling, on est quatre joueurs. Donc euh, sur les quatre joueurs, si tu t'entends pas bien avec un, ça va mal. <laughs> Parce qu'il en reste un trois. <laughs> Tandis qu'au hockey sur 22, 23, 25, 25 joueurs. S'il si y en a un ou deux qui a moins chimie chimie, ben c'est. C'est pas l'idéal, mais c'est moins pire dans la masse. dans le Curling, à quatre gars, il faut que ce soit quatre bons jumps. Fait que là, vous autres, vous arrivez à Edmonton, vous, êtes, vous représentez le Québec, il y a juste une équipe du Québec, tout ça. Quand tu arrives là, là, au début, tu, tu connais les joueurs un petit peu, j'imagine, mais peut-être pas tout le monde qui est là. Euh, c est, c est, comment tu qualifies tes chances de gagner quand tu arrives à Edmonton? Euh, ça dépend parce que comme tu l'as dit, on ne connaît pas nécessairement les autres équipes. Il y avait quand même cette année deux ou trois équipes qui étaient de retour de 2019, parce qu'en 2019, on a aussi fini deuxième chez un Canadien. Okay. Euh, donc, euh, c'était notre deuxième fois qu'on y allait. Euh, mais quand on arrive sur ces glaces-là, on se dit, écoute, on, on, on va jouer comme qu'on est capable de jouer, puis euh, allons, allons voir ce que les autres équipes ont à nous, ré à nous réserver. Puis euh, encore faire la comparaison parce que le monde le curling c'est peut-être plus méconnu mais une glace de curling Simon ça, ça diffère d'un club à l'autre puis d'une arène à l'autre donc mm -hmm. là la, la photo que j'en arrête de moi c'est le c'est West Mountain Ball où ce qu'on a joué donc les glaces de curling c'est particulier un peu comme un, un verre de golf un green de golf donc euh, je considère ça un peu, un peu comme ça plus que le green est, plus le verre de golf est rapide à mon avis ça a davantage les, les bons joueurs euh, quand que le verre est slow est moins, 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 moins rapide. N'importe qui qui frappe la balle, mais elle peut se rendre au trou puis elle peut prendre un débris ou peu importe. C'est la même chose au curling. Quand la glace est rapide ou quand la glace courbe beaucoup, euh, c'est l'avantage ceux qui ont plus de finesse, ceux qui ont plus de touch, comme on dit. Donc, quand on, quand on vient sur des belles glaces, de belles qualités, ben, euh, je pense que le talent des autres équipes augmente aussi puis ça nous donne des, des chances de, 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 de rivaliser sous de belles conditions. Puis c'est ce qu'on avait là-bas, c'était des belles conditions de glace. Cool. Puis, euh, ouais. tu sais, vous étiez, vous étiez quatre chums. Euh, bon, ton équipe est constituée, puis tu peux nous les nommer. Là. Je, je vais te laisser le faire parce que c'est toujours mieux que ce soit le capitaine qui fasse ça. Mais ton, est, ton équipe, c'est du monde avec qui tu joues depuis longtemps aussi. Hein? Ouais, C'est quatre, quatre vrais chums. Il y a Dan, Dan Doward qui joue à troisième. Il y a Marc-Antoine Biron là, qui joue à deuxième. Puis il y a Kevin Menard de Plaisance qui joue à lead. C'était vraiment quatre chums qu'on se connaît depuis 20 ans. C'était le fun. Ouais. Jouez-vous toujours ensemble? Mettons, dans la ligue, euh, par exemple, au Curling de Buckingham, êtes-vous toujours en équipe ensemble? Oui. Ouais, okay. Toujours ensemble, on joue toujours le mardi soir ensemble. C'est depuis... pas juste pour les autres équipes. Là. Vous autres, vous êtes <laughs> deux fois médaillés d'argent euh, au championnat des clubs. Fait que quand vous arrivez à Buckingham, allez... c'est pas, pas fair. Là. <laughs> non, non, mais honnêtement, euh, Buckingham, Tursault, c'est des villes, c'est des villages, des villes de Curling. Hein. Il, il y a du calibre, là, mon homme. Euh, euh, à Buckingham puis à Tursault, il y a beaucoup de joueurs qui sont allés. Dans la série Elite au ah, Brewer. Donc, oui, euh, oui. c'est très fort. Le monde ne le savent pas, mais le curling en Utahouais, c'est très fort. Très fort. Est-ce que, oui, parce que si je ne me trompe pas, ça se peut-tu que Jean-Michel Menard vient aussi de l'Outaouais? cest qui représente? Il vient de la Il vient de ouais. Ok, c'est ouais. ça. Donc, euh, ceux qui ne savent pas c'est qui Jean-Michel Menard, ben, c'est celui qui a représenté le Québec au Briar. Donc, euh, c'est quand même. Ça ne s'appelle plus le Briar, hein? Oui, c'est encore le Briar. C'est encore le Briar, ok. okay. <coughs> bon. Jean-Michel, Jean, Jean Simon, il est même allé au championnat du monde en 2006. Il a gagné, il a gagné le Briar, Jean-Michel. Ouais, ouais. Il a c est, c est, c est, c est un champion canadien. C'est spécial, ouais. Ouais. Lui, lui il joue pas dans les clubs là. comme lui, oui. as tu sais lui a-tu le droit mais jouer, là, là, il ben, on a le droit à un joueur élite okay. par, par club par, euh, par équipe mais okay. il, joue pas, il joue pas dans ce championnat là, là non Ok, c'est cool, c'est bon, savoir. va. Okay. Euh, là, il y a des questions, parce que quand j'ai dit que j'allais te recevoir, <laughs> euh, j'ai mon chaîne, Simon Ménard, que tu connais. Ah oui, ben oui. <laughs> Simon, il y avait plein de questions sur quand tu arrives à Edmonton, oui, c'est une compétition. Est-ce qu'il y a eu du party <laughs> au pied <de> <laughs> dans ce championnat-là? Ça, c'est ça qu'on veut savoir. Ben oui, il y en oui, a eu, mais dans des moments précis. Parce qu'avant Simon pour partir là-bas, on s'avait dit entre les boys, on a écoute coup de gang, on part là-bas, c'est carré d'avoir du fun, mais il faut que pendant la période qu'on joue, on soit, on soit sérieux, on veut donner les meilleures chances possibles de revenir avec une malade d'or. Quand, quand on est arrivé là, on avait 72 heures par exemple sans avoir une pratique, sans en jouer. Donc dans, dans cette 72 heures-là, euh, on, on a fait des belles rencontres. <rire> <rire> J'en <laughs> suis convaincu. J'en suis convaincu. <laughs> puis au barquet de fermeture également. Ouais. Euh... Là, c'est particulier ouais. parce que quand tu arrives à Edmonton, tu joues le, le Edmonton Mall, le West Edmonton Mall, c'est gigantesque. Il y a des boutiques quand on voyait les images, par exemple, parce qu'il y a eu des matchs télévisés, euh, même puis, puis sur le site de, de TSN aussi. Euh, quand tu arrives là, c'est-tu TSN ou Super Set, en tout cas peu importe, TSN, ouais. quand, quand tu arrives là, pis que, comme il a dit, il y a une madame qui magazine au right, Redmonds à côté de toi, puis toi, faut que tu fasses un coup important. <laughs> C'est différent que d'être dans un club de curling oh, est-ce ouais. que tout le monde est focus. Mais au début, pour moi qui n'ai pas habitué à de jouer devant du monde tant que ça, ça me fatiguait, ouais. ça, ça me dérangeait. Mais un coup, que tu t'embarques à la glace, puis tu penses à ta game, tu, dirais, tu, tu, tu y penses même plus aux gens qui sont en arrière tu sais. C'est plus que avant la partie, quand, avant d'embarquer sur la glace, tu entends tout. Mais un coup que tu t'es embarqué sur la glace, tu ne l'entends plus. Mais c'est vrai que c'est spécial, par exemple, parce que tu entends le gars avec son jugger, tu s'en la petite madame avec sa, avec sa clochette qui demande cinq pièces. piastres. Tout le monde les entend toutes. Uh, ça doit être particulier un peu. C'est l'équivalent de faire des, des shows d'humour dans les dans les shows corpo où est-ce que le monde sort pas. Il... pas C'est pas tout le monde doit... qui est là pour toi. Ouais, ça. Là, ouest, bon, ça. Oh, oui, ça c'est ça... uh, spécial. Puis, euh, quand, quand le tournoi commence, là, je veux dire, parce que ceux qui ne connaissent pas le curling tant que ça, c'est beaucoup, beaucoup de matchs. Fait que tu affrontes toutes les équipes. Euh, tu sais, il n'y a pas de, 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 de poule ou peu importe. Là. Tu joues contre tout le monde. Puis, à la suite du tournoi préliminaire, bien là, il y a des phases éliminatoires. Euh, quand tu commences et que tu découvres tout le monde puis les styles de jeu, tu, tu te rends -tu compte que, oups, il y a des styles différents, peu importe d'où ce qui viennent au Canada, tout ça, ou c'est pas mal. Pas, toi, tu te fais ta propre stratégie. Puis tu ne vas pas en fonction des autres? Ben nous, on a déjà une stratégie de départ aussi, dans le fond, dépendamment de chaque match. Mais au curling, là, tu joues agressif ou tu joues défensif. Euh, et, et puis après ça, ben, c'est pas mal toutes les mêmes stratégies qui s'en viennent. Puis dépendamment de ce que sont les pierres, ben, euh, c'est là que tu peux ajuster ta stratégie en conséquence. Mais avant le match, euh, tu sais déjà, ok, au bout numéro un, si on a l'avantage de la dernière pierre, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire, malgré peu importe ce que l'autre fait. Au bout numéro un, si on n'a pas l'avantage de manger la pierre, on sait exactement est-ce qu'on avait un avant de la maison ou dans la maison. Donc, on, avant, avant de commencer un match, on se parle, on, on évalue ce qu'on est aussi présentement. T'sais, si on est quatre, quatre victoires, zéro défaite, ben on ne change, on change, on change pas rien. Et si on est deux victoires, deux défaites, il faut absolument qu'on. Ça se peut qu'on change de stratégie en, en cours de tournoi, mais on, on essaie de garder, euh, de garder le focus sur, sur la, la, même, la même stratégie tout au long du tournoi. Genre, si, si par exemple. Puis tu sais, là, je te pose la question parce qu'il y en a bien qui font comme Hey, le curling, là, pourquoi que ça joue pas comme le Mississippi? là, tu Place une pierre, j'asque la oh. <laughs> oh, ouais. crises de là. Pis, ouais. là. Euh, mm. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de stratégies. Fait que les premiers, les premiers, les leads, là, ceux qui jouent en premier, font beaucoup de placements puis tout ça. Fait euh, est que est-ce que, par exemple, tu sais. Euh, euh, c'est tu plus facile de jouer quand qu il y a beaucoup de gardes en avant ou c'est plus facile quand il y a déjà des pierres dans la maison? Il y a-t-il comme des, 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 des situations où -ce que le jeu devient plus facile, autrement dit? C'est plus facile quand il n'y a pas de pierre en jeu. C'est-à-dire quand a, on met une pierre dans la maison, puis l'autre la frappe, puis moi je la frappe, puis l'autre la frappe. Puis Ça, euh, euh, frapper une pierre, c'est... C'est très facile. C'est le coup le plus facile. Frapper une pierre, puis il n'y a pas besoin de rouler, pas besoin de, de rester. Tu frappes puis tu l'enlèves, ça, c'est le coup le plus facile. Fait que quand il n'y a pas de garde en jeu, peu importe, ben c'est très, très simple comme jeu, mais ça. Ce n'est pas comme ça que tu vas gagner une game de curling, parce que c'est avec, ouais. avec la finesse. C'est ça, c'est avec la finesse. Quand il y a des gardes en avant, puis on vient en arrière de la garde, puis là, l'autre s'en vient s'accoter sur nous autres, puis là, ben, les angles changent. parce que, Donc, c'est là que ça devient intéressant, puis c'est là qu'on voit la qualité des équipes. Y a-tu des fois comme Skip, t'arrives sur la dernière période, tu fais comme je sais pas pantoute qu ce que je vais faire. J'ai juste le goût de la pitcher le plus fort possible puis que tout, ben, tout, tout casse ouais, ou? ben, ça, ça arrive, mais il faut pas que ça arrive trop souvent parce que tu ne ouais. pas une tonne de game. Tu sais? mais, euh, mais, mais, mais oui, ça arrive que des fois, tu te écoute, les angles ne sont pas là, on n'a pas, pas, pas de ricochet, on n'a pas rien qu'on peut monter dans la maison. Euh, mais dans ce temps-là, tu es dans le trouble. Euh, mais la plupart du temps, il y a toujours un angle quelque part. Il y a toujours euh, un, un coup qui peut te sortir du trouble, qui peut te sortir euh, euh, au moins pour limiter l'autre à prendre juste un ou deux points. On, on essaie toujours de limiter les dégâts quand, quand ça va mal. Ouais. Euh, là, on va, on va continuer de parler du tournoi, puis après ça, je vais parler un petit peu de le monde qui vous encourageait, puis tout ça. Oui. Euh, pendant le tournoi, bon, vous avez affronté toutes les équipes. Vous avez eu une fiche de, de quoi ben, en, premier, en préliminaire? On a fini avec Kevin. Il y avait deux, deux boîtes de cette équipe. On a fini avec une, okay. une fiche de quatre victoires, deux défaites dans notre première ronde. Par la suite, il fallait gagner deux victoires sur trois pour aller en semi-finale. Donc, on a gagné nos deux victoires sur trois. Donc, on est on tombé à six victoires, trois défaites. On joue en semi-finale contre, euh, contre, contre minute, le nord de l'Ontario. excuse moi ouais. ça va longtemps. Donc, le nord de l'Ontario, <laughs> on a gagné contre le nord de l'Ontario sur la dernière pierre. Puis on s'est rendu en finale contre l'Ontario. Puis l'Ontario, bien, nous ont battus pour une troisième fois du tournoi. Oui, ouais, c'est ça, c'est eux autres qui vous avez battu. C'est les autres qui vous avaient donné le plus de troubles, autrement dit. Ouais. cest -tu, tu une équipe que tu en regardant un petit peu après ça, tu dis-tu ah, on aurait pu les battre ou c'était vraiment une équipe très forte? Là? ben on n'aurait plus les parce qu'on on on a toujours une chance de gagner mais honnêtement ces capitaux sont arrivés cette semaine là là en feu c'est dans leur zone là, Simon et il manquait pas un shot et il se parlait bien sa glace ta cam il était il était dans un autre monde euh, cette semaine là C'était vraiment bon Là, je veux te parler parce que bon, là, vous êtes arrivé en finale, vous avez perdu en finale, mais vous avez eu la, vous avez eu la médaille d'argent. C'est ce qui est souvent le cas dans les sports d'équipe. On arrive en finale, on, on gagne la médaille d'or ou on perd la médaille d'or. Il n'y a, y a pas, pas d'argent, là, <laughs> um, as tu sais. tas été surpris de tout le soutien que vous avez eu parce que bon, vous étiez en tournoi là-bas. Euh, les, les matchs, certains matchs ont été diffusés sur, euh, sur TSN, sur le site web de TSN, tout ça. D'autres étaient euh, diffusés sur Facebook par un téléphone bien placé en arrière. À du, euh, en arrière du euh, de, de l'allée puis tout ça ouais. euh, t'as-tu été surpris par toute cette vague de comme de gens qui se sont intéressés à votre tournoi mas hein, c'est c'est pas comparable à 2019, c'est incroyable comment est-ce que. Ben, toi, Simon, premier, après ça, les, les journalistes. Ah, moi, serais, euh... moi, live, moi, live sur Facebook, je t'avais demandé de me ramener euh, un chandail du monde, mais en tout cas, j'ai <laughs> jamais vu ce chandail-là. <laughs> je dis, dis peut-être un qui traîne, Simon, là. On peut y aller, tu te prendras. Alors, mais c'était fou, par exemple, Simon, l'appui la, la, qu'on a eu de tout le monde sur Facebook, mais aussi des, des journalistes locaux. Euh, pour moi ça me, fait, ça me fait ça me fait chaud au cœur parce que je me dis Calic on parle on parle on parle du curling le curling était tellement méconnu puis il est encore mais au moins quand on en parle on fait découvrir aux autres parce que c'était fou. Là. Il y avait des fois, je me connectais, mettons, sur, sur Facebook, puis il y avait 200 personnes qui vous écoutaient. Mm -hmm. C'est incroyable là, quand tu y ouais. penses. Euh, J'avoue, c'est incroyable. Puis honnêtement, on ne réalise pas encore comment ça se fait qu'il y ait tant de monde qui nous ont, ont suivis. Mais on est vraiment content Puis merci à tout le monde encore une fois. C'est vraiment vrai C'est... Mettons, là, je, je prends ta carrière de curler. C'est quoi, quoi le shot que tu as fait, là, qui était, qui, ton shot préféré à vie là, que tu as fait? Là, dans le contexte des, aussi. Il y a des moments qui sont plus marquants, mar, marquants que d'autres. Moi, j'étais malade du cœur euh, en janvier passé, en janvier 2022. Puis. Euh pas euh, ça m'a ébranlé un peu quand, quand tu es malade à 33, 34 ans. Tu dis, ça, mm -hmm. ça pas bon, sens, ça, ça ne m'arrivera jamais. Puis quand on est arrivé au mois d'avril, c'est le championnat provincial qui avait lieu ben, à Montréal. Puis, euh, la dernière pierre que j'ai eu à lancer au dernier bout, en finale du provincial, c'était la pierre la plus pesante. P pesante, ça veut dire quoi? Ça veut dire la plus stressante, euh, la plus la pressante pression, ouais. pression c'est ça. Puis quand on l'a fait en équipe, parce que j'ai lancé, puis Dan, Dan Doer, qui est un travailleur, j'ai crié « art » parce que j'étais un petit peu serré sur la ligne, fait qu'il l'a tenu là, puis on a fait le shot. Là. Ça, je pense c'est le moment d'émotion, le moment, le moment magique que j'ai vécu le plus euh, dans, les, dans les derniers 25 ans. Puis Dan, c'est quand même une pièce d'homme, on va se le dire, là, parce ouais. que ceux qui pensent que euh, les, les, les gars qui jouent au curling, c'est des balayeurs, euh, on s'entend que ça, ça prend une précision, pis une force assez incroyable pour... pour ça doit balayer dans quoi. sa maison, pas, pas, pas mal, parce que... Il ne doit pas avoir un robot qui se promène à la longueur d'une journée dans la maison, lui. Non, non, commence, non, hein, non, non. Non, non, lui non, qui non. Le fait. non, parce que Dan, et, je ne sais pas comment est-ce qu'il pèse, mais c'est une bonne, une bonne pièce d'homme, puis euh, non, non, il est en forme. C'est quoi, par exemple, comme le... on a parlé, c'est un sport d'équipe, mais comme c'est il faut que tout le monde pousse dans le même sens, autrement dit, parce que, tu sais, tu l'as dit, là, toi, tu lances la pierre, mais une fois qu'elle est lancée, là, je veux dire, il, y a, il y a du travail qui se fait là, pour, la, pour balayer, justement, puis ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le balayage, euh, puis là, tu peux peut-être me l'expliquer mieux que moi, je vais l'expliquer, mais dans le fond, là, il y a tous des petits euh, tout des petits pitons, hein, je pense, sur la glace, puis là, ouais. le fait de balayer, ça, ça chauffe la surface pour faire tourner un petit peu la pierre, cest tout ça? Ben, c'est ça, dans le fond, c'est des gouttelettes d'eau qu'on envoie Parce qu'avant, c'est une glace d'aréna, hein? une ouais. glace d'arena qui est vraiment euh, floche, Puis quand on vient mettre des gouttelettes d'eau, on vient mettre comme un, euh, une pluie qui tombe sur une glace. Donc, ça fait des raboteux un peu. Puis euh, sinon, la, la pierre ne glisserait pas parce que la pierre elle tourne. Donc, quand on lance la pierre, on... l'effet du brossage, elle a deux effets. Premier effet, elle fait en sorte que la pierre glisse plus longtemps. Donc, elle, on augmente la distance de de, de longueur de la pierre sur la glace. Puis deuxièmement, on peut la faire soit courber plus ou courber moins. Donc, euh, tout dépendamment là, de quel côté on balie la pierre, on brosse la pierre. Puis euh, mettons, tu sais, le pourcentage d'effet que toi tu mets quand tu lances versus qu'est-ce qui se passe après en balayage, c'est quoi? C'est. Sont à, il, y a, il y a des gens qui peuvent le, me, le mesurer avec, euh, avec des outils technologiques. Oh, on parle environ de, sur une glace qui est rapide, d'environ d'une dizaine de pieds de longueur. C'est quand même assez immense sur 100, je sais pas par cœur, maintenant sur 150 pieds de longueur, une dizaine de pieds. Euh, C'est quand même pas négligeable. Donc, tu peux te tromper de 10 pieds et faire le coup pareil c'est quand même pas négligeable c'est ben comme un pote un pote Simon tu resterais des pieds short tu t'en voudrais longtemps mais ouais, c'est la personne qui cache pas ton il y a personne qui balaye en <laughs> non c'est ça Il faudrait peut-être que j'y pense ouais. mais... puis pour la courbure de la pierre ben là ça donne une grosse impact ça donne une grosse impact soit pour qu'elle courbe pas ou à la fin pour qu'elle courbe plus donc euh, on, on, les, les brosseurs peuvent faire le shot souvent c'est les brosseurs qui font le shot c'est pas le lanceur le lanceur mm -hmm. là, il, il lance à peu près à la bonne place puis les brosseurs vont l'amener où ce qu'il faut. Ah, c'est cool. Ouais, ouais. euh, c'est quoi? Puis tu sais, là, c'est pas une question qui est, qui est chienne, là, mais c'est quoi la différence, par exemple, entre toi puis quelqu'un qui joue dans l'élite, parce que tu euh, t'es un, un bon joueur, ça fait deux fois que tu vas au championnat des clubs. Euh, Est-ce que si tu faisais ça à temps plein, tu deviendrais curler professionnel? Est-ce que tu aurais des chances, par exemple, d'aller aux Olympiques, de faire le Breyer? Y a-t-il une grosse différence entre, par exemple, les gars qui jouent dans les clubs puis l'élite, mettons? La différence est marquable, la différence elle est notable. Mettons, on, on prend au Québec là, les deux trois meilleurs joueurs, il y en a plusieurs. L'équipe de l'heure, c'est Félix Asselin avec Martin, avec Martin Crête. Puis après ça, tu as, as Vincent Robert, je te Desjardins. Mais mettons Félix et Martin. Euh, surtout, euh, Félix, euh, présentement, il pratique il pratique, euh, il pratique, beaucoup. Euh, il lance beaucoup de pierres, il, il est toujours sur, sur, sur les glaces. Euh, euh, il fait beaucoup de tournois, toujours en équipe. Euh, donc, L'effort, le commitment que ça, que ça demande pour être là, ben oui, sûrement que, que j'aurais peut-être le, le talent de me rendre là, mais est-ce que j'ai le vouloir puis l'effort à mettre que ces gars-là font, les Vincent Robert de, de ce monde font euh, Non, non, j'ai pas ce vouloir-là. C'est quoi une pratique de curling Je veux dire, tu, tu te pratiques à, à lancer des pierres ou, ou c'est vraiment dans les matchs que tu, que tu parfais ton art, mettons Non, mais le curling, c'est quand même assez technique. Euh, euh, je le compare encore au golf. Un, un swing de golf, là, euh, euh, il y a bien des petites technicalités qui peuvent faire en sorte que la balle va à gauche, va à droite. Pis... Mais au curling, c'est pareil. Au curling, quand que tu donnes une rotation donc de, la, de la pierre, mais si tu la main en dehors ou si tu la main en dedans, ça donne un gros impact sur la trajectoire de la pierre. Donc, quand on, quand on pratique au curling, on va pratiquer, on appelle ça les, les lâchés, les releases, hein, les releases release de la pierre. Puis on va pratiquer aussi le, le, le brossage, le, le collage la ligne, hein, l'appel de jeu. Donc, on pratique tout ça quand on, quand on fait une pratique. Vraiment cool. C'est qui, euh, comme qui dans ta famille joue au curling? Est-ce que t es, t es, tu viens d'une famille de curling ou tu avais des ouais. idoles que tu as, as grandi et tu as fait comme OK, Ça a l'air cool. J'ai toujours été sportif, mais moi, écoute, à 7-8 ans, je jouais au bowling. Fait que ça, c'était... Hein? Et je jouais au bowling à fond. Tu sais, j'ai toujours... Euh, après ça, je joue au Bennington, je joue au Bennington à fond. Tu sais, quand on embarque dans quelque chose, t'embarques ou t'embarques pas. Euh, mais c'est la même chose. Mon père, il a joué au curling. Il m'a amené vers 9-10 ans. Il me dit, ça te tente-tu, Jazz, de venir pratiquer une coupe de pierre? genre pourquoi pas? Puis j'ai pogné ça. Puis à partir de 11 ans, je pense, j'ai je jouais 4-3 semaines, puis euh, le samedi-dimanche à Turso, c'était un petit club, hein? puis tout le monde avait une clé. Que tu rentrais là le matin, j'avais 10, 12 ans, 12, 12 ans, mettons, puis avec Kevin Menor, qui en avait 13, 14, puis on pratiquait euh, du samedi matin à 8h, samedi soir à 5h. Puis nos parents venaient nous chercher le soir. Puis, fait que, comme au golf l'été, on allait au golf, on pratiquait au golf le matin, on revenait le soir, mais c'était le même principe au curling, on en mangeait. Ouais. C'est qui ton idole C'est qui ton joueur préféré de, 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 de curling alors, je vais dire Louis Biron. Ouais. Louis Biron, ok, je le connais, Louis. mais Je m'attendais à un autre comme Guy Mings ou quelque chose comme ça. Mais... Ben Guy Et... est bon aussi, mais celui qui m'a le plus apporté, qui m'apporte encore ouais, aujourd'hui, ouais. c'est Louis. Louis ah, euh, ouais. il, il, est, il, est, il est philosophe, hein, il apporte une dimension différente, puis euh, toujours, toujours calme. Euh, il est vraiment il est vraiment bon, Louis. Ouais. Louis il était avec vous autres à Edmonton, je pense, hein? Oui, oui, il est venu nous voir. Mon père aussi, est venu nous voir. Mon père aussi, j'adore mon père, mais dire, par rapport au curling, c'est Louis. Ah, ouais. Ouais. ah c'est donc bien cool, ah, ça. Ouais, c'est cool. Ah, ça. Louis, il joue, il joue-tu encore? Il joue, euh... Euh, Louis il commence à avoir mal au genou, mais euh, oui, il lâche, pas, <laughs> il lâche pas. Il lâche pas, il joue le mercredi à Buckham, il joue euh, le jeu du soir à Il s'amuse, hein? Cool. Euh, là, là tu l'as dit, ça fait deux fois que tu as participé au championnat des clubs. Euh, C'est quoi l'objectif à cette heure avec ton équipe? Après avoir, après avoir été deux fois, c'est-tu d'y retourner pour une médaille d'or ou y a-tu d'autres championnats euh, auxquels tu peux rêver? Bien, on en a parlé brièvement, puis on s'est même demandé est-ce qu'on va au championnat provincial homme cette année? Mais là, on s'est dit, ah! Oh. Un autre semaine de vacances, parce que ne veut pas, c'est des semaines de vacances. Hein? Puis on est toutes des familles, ouais. puis on est toutes. Euh, hein? Fait que là, pour cette année, on a dit OK, on, prend, on continue à jouer dans la ligue, on prend une pause. L'année prochaine, on prend une décision est-ce qu'on s'asseye encore pour le championnat des clubs ou est-ce qu'on va au championnat provincial ou est-ce qu'on fait pas grand-chose, mais. On n'a pas, pas, pas statué sur rien encore, Simon. Ouais. Mais votre équipe, vous la gardez ensemble? Je veux dire, oui, les, quatre, oui. les quatre boys, oui. vous continuez à jouer ensemble et tout ça? Ouais. Tu sais, à, à base, Simon, on est quatre chums, fait que c'est important que ça, ça reste le fun, le curling sinon on va attendre ouais. chez vous. C'est ça. Hey, t'es pas juste un bon curl, un bon joueur de curling, t'es tout ça un bon joueur de golf. Là, on peut en parler un peu, mais on a fait un beau voyage de golf ensemble. à était hein? vraiment le fun. On remet ça euh, probablement cet été, ça c'est ouais. certain. Ouais. Euh, y a-t-il un moment donné où ce que as, il a fallu que tu fasses un choix genre de dire ok ben là je, je m'entraîne pour le curling, je fais que du curling, puis euh, parce que je pense que tu sais quand t'étais plus jeune aussi, tu aurais, aurais pu faire les circuits de golf probablement. T'as-tu un moment donné, fait un choix où étais meilleur au curling puis t'as dit let's mm -hmm. go curling? Le golf, c'est trop. Ben, le golf, il ne est... faut pas dire trop difficile parce que quand tu mets des efforts, on vas atteindre des résultats, mais à un moment donné, il, y a, il y a le talent aussi. Là. Au curling, je pense que j'avais plus de, de talent ou de, de chance de me rendre plus loin qu'au golf. Euh, mmh. Je pense que c'est ça. Ah, puis de toute façon, maintenant, tu n'es pas obligé de faire de la compétition dans toute. Le claro, golf, ça demeure ça. de quoi que tu peux aller jouer quatre chums puis euh, tu n'as pas, du pas besoin d'une glace. Euh, ouais. C'est particulier ouais. le curling aussi. Tu as besoin d'équipements très particuliers, là, contrairement au golf, que n'importe qui peut s'acheter un sac puis euh, se prendre un tee-off. Oui, mais tu as raison, Simon. Mais mettons au curling, quelqu'un qui n'a rien, hein, mais il arrive au curling à Turso au curling à Buckingham, puis on va lui on va prêter de l'équipement et il en masse. Hein. Donc, ah, euh, ouais, okay. c'est pas, pas compliqué. Ouais. Ah, c'est ouais. une bonne affaire que tu dis ça, parce que la promotion du curling, dans ce que tu disais tantôt, je, je t'ai senti que c'était important pour toi aussi, ouais. de dire qu'il y avait beaucoup de monde qui nous suivait pendant le championnat, puis de, de faire la promotion de ce sport-là, que c'est pas tout le monde qui connaît. Tu sais, tout le monde sait c'est quoi le curling, mais c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi les règlements, comment ça marche, puis les championnats, tout ça, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Fait que c'est quelque chose qui est important pour toi, ça, la promotion. Ah aussi? oui, et puis <coughs> il faut amener les, les jeunes à jouer au curling. Ça coûte rien jouer au curling. Ça coûte une paire, une paire, une paire de souliers une brosse, ça coûte, euh, ça coûte 200 pièces. Puis tu joues pendant c est, c est, ta brosse, tu la gardes pendant, pendant 10 ans. Si tu veux que tu aies un, un oh photo ouais. de, de tu le snaps et il est fini. C'est un, un autre 300 pièces, tu jettes à l'eau. Ça coûte à rien jouer Quelqu'un qui fait pas de compétition, là, qui s'amuse, ça coûte à rien. D'après moi, ma shape, je suis capable de snapper un, botain, <laughs> un balai, mais ça, c'est un autre débat. En <laughs> tout cas, ça, c'est un autre débat, Simon. C'est un autre débat. Moi, j'ai toujours dit les joueurs de curling, là, ils ont besoin de l'équipement de quelqu'un qui déblaye son char. Une paire de chou ben un balai à neige, je sais, ah, ils peuvent jouer. Ouais. Tu as T'as raison, as raison. Non, mais euh, faudrait, je vais être le prochain porte-parole. J'ai oui, déjà, bon. déjà joué, oui, ouais. ma blonde était enceinte, ça fait très longtemps, okay? c'est en 2007 ou hey. 2006-2007 que j'ai joué, et euh, ma blonde était enceinte de Zachary, mon plus vieux qui a 15 ans aujourd'hui, ça fait un méchant j'ai pas joué au curling, je serais dû ouais. pour, comme tu dis, réessayer, là. Ouais. mais ma blonde était enceinte, donc elle avait sa bédonne, puis elle pouvait pas euh, se pencher pour lancer la pierre, fait qu'elle avait un une espèce de long bâton qui rentrait oui. dans le manche de la pierre, si on veut, mm -hmm. puis elle lançait avec ça. Fait que, euh, ouais, on a joué un peu comme, euh, comment t'appelles ça, shuffleboard, là, tu sais, un montant ouais, de ouais. shuffleboard, à peu près. À Montebello à Montebello aussi? À Montébello, qu'on avait joué, Bello. Ouais, okay. au Château. Ouais, ouais, ouais. j'avais adoré Château, ça. J'avais mm -hmm. adoré ça, jouer là, pour vrai. Vraiment, n'y a, je... a rien qui t'empêche de revenir, Simon. On va faire plaisir de t'aider, on va avoir du fun. Je vais aller jouer avec toi. Je vais aller jouer avec toi. Tu sais, Moi, l'été, je moi, t'amène je je au golf pour te faire boire du vin. tu peux m'amener au, au curling pour me montrer quelque chose. Mais Thierry, mais ça, c'est une autre question, tu sais, comme le, le, le curling comme tel, le monde qui vient de jouer, tout ça, y a tu comme un, un after curling où est-ce que le monde prenne, prenne un verre ensemble? Y a t -il un petit bar, quelque chose? -tu, ça se passe-tu de même, les ligues de curling? Oh oui, les curling, à fond, que ce soit dans une ligue ou dans un, dans un tournoi, la tradition depuis les derniers 100 ans, c'est quand tu as fini de, de jouer ta game, tu te demandes à l'autre, celui qui a gagné, il demande à l'autre, je, je te paye quoi? Prendre une bière. Prendre une ah bière. ouais? Toi, tu vas te avec les autres, puis euh, tu, prends, tu prends une, une bière, un de vin, peu importe. Mais euh, ça, c'est euh, ça qui est le fun du curling, c'est qu'on socialise avec tout le monde. C'est donc bien hot, ça. Ouais. Bien mieux que le golf parce qu'il faut que tu fasses un trou d'un coup tu te faire payer à rien. C'est ça. T'as <laughs> longtemps? N'est pas heureux. Ah, ben c'est donc bien cool, ça. <laughs> ah, écoute, mon vieux, je te souhaite la meilleure des chances pour la, la suite, mais tu sais, on va se rejaser, nous autres, c'est certain. Mais euh, merci d'avoir pris ben, le temps. Simon, je pense. Je tiens vraiment à dire merci d'avoir donné cette opportunité-là d'être là avec toi aujourd'hui. Parce que je veux pas. Euh, c'est une belle exposure pour le curling. Donc, merci sinon, c'est bien ben apprécié. Écoute, moi je vise à devenir le porte-parole de Curling Québec. Fait que <laughs> si jamais oh, il si y a du monde qui nous écoute, là, je, peux, je peux, faire. si moi je peux jouer au curling, tout le monde peut jouer au curling. <laughs> euh, ça. Absolument. C'est un peu ça le slogan. Je pense que je pourrais faire ça. En tout cas, on verra. Là, mais la, le message est lancé à Curling Québec. Je suis disponible. C'est bon, Alors, ça. Merci, mon chum. C'est bien cool de jaser. J'espère que le monde va apprécier. partager le, le podcast en grand nombre. Faites connaître un peu Jasmin, son équipe, le tournoi auquel il a participé. Puis, ben, c'est ça. On va rejaser de curling peut-être sur le podcast. Ça, c'est certain. fait que Merci, mon vieux. Merci, Simon. On s'apprécie. Bonne fin de semaine. All right. Ciao. Salut, bye.